Pourquoi manger sainement vous fait avoir une peau plus belle? Bonjour à tous, ici Cédric et dans cette vidéo, j'aimerais vous expliquer pourquoi le fait de manger sainement vous aidera à avoir une peau plus belle. Mais avant de vous expliquer pourquoi adopter une alimentation saine et équilibrée va améliorer la qualité de votre peau, j'aimerais revenir sur les bénéfices largement connus de tous sur le fait d'adopter une alimentation saine et équilibrée. Et le premier bénéfice largement connu d'adopter une alimentation saine et équilibrée, c'est que cela va vous permettre d'avoir une meilleure silhouette et d'affiner votre silhouette. Avoir une alimentation saine et équilibrée va vous permettre de perdre du gras pour après gagner en muscles et avoir un corps plus ferme et éviter de ressembler tout simplement à un flambi. Ça, c'est quelque chose qui est largement connu. Le fait d'adopter une alimentation saine, ça a aussi plusieurs bénéfices comme éviter le surpoids, donc ça reprend le fait d'affiner votre silhouette, mais ça va vous permettre d'éviter l'obésité et toutes les maladies qui découlent du surpoids. J'entends par là tout ce qui va être hypertension artérielle, maladie cardiaque, problèmes respiratoires, ronflement et d'une manière générale, toutes les maladies ayant une composante inflammatoire. Le fait d'adopter une alimentation saine et équilibrée, ça vous permet également d'avoir plus de peps, plus d'énergie et de réduire la fatigue. Pourquoi? Parce que l'objectif d'une alimentation saine et équilibrée, c'est d'apporter les nutriments, les vitamines et les minéraux nécessaires à votre corps sans le fatiguer. Et d'ailleurs, à ce propos, j'ai fait énormément de vidéos sur ce sujet sur cette chaîne et l'exemple le plus parlant se trouve dans la conférence « Améliorer votre forme physique et votre bien-être » et vous allez retrouver cette conférence dans un lien qui se trouve en dessous de cette vidéo. Donc si vous n'êtes pas sensibilisé sur le fait qu'il faut adopter l'alimentation qui apporte les minéraux, les vitamines à votre corps sans le fatiguer, je vous invite réellement à consulter la conférence « Améliorer votre forme physique et votre bien-être » puisque vous allez trouver les premières pistes sur comment adopter cette alimentation qui ne vous fatigue pas et qui apporte de l'énergie à votre corps sans le fatiguer. Donc vous pouvez la consulter si vous ne l'avez pas vue, elle se trouve en dessous de cette vidéo. Maintenant, je vais répondre à la question pourquoi le fait d'adopter cette même alimentation saine et équilibrée, ça va vous permettre d'améliorer la qualité de votre peau. Eh bien, sachez tout simplement que ce que vous cachent les fabricants de cosmétiques, c'est que la façon la plus efficace d'améliorer votre grain de peau et la qualité de votre peau, c'est d'améliorer votre façon de manger. Pourquoi cela? Parce qu'en fait, le dernier endroit qui bénéficie de tout ce qui est nutriments quand vous allez manger, c'est votre peau. Et donc, qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que quand vous mangez, en fait, les nutriments contenus dans l'alimentation vont d'abord nourrir l'ensemble de votre corps, de vos organes, avant de nourrir en dernier votre peau pour ce qu'il en reste. Et donc, vous comprenez le fait que si vous adoptez une alimentation de type junk food qui contient très peu de nutriments, eh bien, votre peau ne sera pas nourrie. Et donc, c'est pourquoi la façon la plus efficace pour améliorer la qualité de votre peau, c'est donc d'adopter une alimentation qui contient assez de nutriments, car si cette alimentation n'a pas assez de nutriments pour nourrir votre peau va finir par se détériorer. Et la triste vérité dans l'histoire, c'est que c'est beaucoup plus facile pour les fabricants de cosmétiques de vous laisser manger de la junk food et après de vous vendre des crèmes miracles pour tenter de réparer votre peau plutôt que de vous dire d'adopter une alimentation qui va nourrir votre peau. Mais c'est également, surtout, beaucoup plus rentable pour eux. Alors qu'au final, les meilleurs résultats que vous pouvez prétendre pour votre peau vient de votre alimentation. Et d'ailleurs, si vous ne me croyez pas, moi j'ai eu souffert d'eczéma pendant de nombreuses années et en améliorant ma façon de manger, j'ai réussi à faire disparaître totalement mon eczéma. Et vous allez trouver les photos à l'appui puisque j'ai tout mis dans un article que vous allez trouver en dessous de cette vidéo. Donc, il y a un lien qui pointe vers un article où je vous explique pas à pas comment j'ai réussi à passer mon eczéma en adoptant l'alimentation saine et équilibrée qui apporte minéraux, vitamines à mon corps sans le fatiguer. Et je vous ai mis les photos avant quand j'avais l'eczéma, les photos de maintenant quand je n'ai plus d'eczéma. Et de toute façon, vous le voyez sur cette vidéo que je n'ai plus d'eczéma. Et donc, si ça vous intéresse d'améliorer la qualité de votre peau par votre alimentation, j'ai créé un programme qui s'appelle Tonus et Vitalité dès le petit déjeuner. C'est avec ce programme-là et avec cette façon de manger-là que j'ai commencé et que j'ai réussi à passer totalement mon eczéma. Donc, ça a énormément amélioré la qualité de ma peau, que ce soit en termes d'élasticité, de grain de la peau, de douceur. Et donc, pour
adopter la même alimentation qui m'a permis, d'une part, pour moi-même, de passer mon eczéma, mais nettement d'améliorer la qualité de ma peau, je vous propose de rejoindre cet accompagnement qui dure 15 jours, qui va vous permettre d'adopter la même alimentation qui sera nécessaire pour nourrir votre peau en vous passant au maximum de crème et en réalisant de nombreuses économies puisque vous n'allez plus être dépendant de tout ce qui est cosmétique pour améliorer votre peau, mais vous allez pouvoir améliorer la qualité de votre peau par l'interne et non pas par une action externe qui est le fait d'étaler de la crème, mais par une action interne de votre corps. Votre peau va retrouver son élasticité, va retrouver son éclat et va être nourrie en fait correctement comme elle devrait l'être par le biais de votre alimentation. Donc vous allez pouvoir rejoindre le programme Tonus et Vitalité. J'ai mis également le lien sous cette vidéo pour pouvoir vous aussi améliorer votre peau de la meilleure des façons possibles. Moi je vous dis à bientôt avec un joli sourire, une peau douce et pleine de tonus dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous.